De la même façon que, que le plou qu'en fait les campagnes paysannes critiquées dans le contexte d'un passage vers une économie moderne industrielle, l'hypermodernité va, va s'attribuer tous les affects positifs de la modernité et va rejeter donc tout ce qu'elle ne veut plus être, tous ce, ces, ces dégoûts sur la période antérieure, c'est-à-dire sur la modernité industrielle. Par exemple, l'hypermodernité se veut toujours dans la raison, mais cette fois-ci elle est gestionnaire, et donc on va rejeter sur les gilets jaunes la déraison sociale. Euh, l'hypermodernité, c'est l'hyper mobilité internationale en avion, et donc elle va avoir un dégoût, va exprimer un dégoût pour la voiture. Euh, l'hypermodernité, c'est la maîtrise, le contrôle des corps, mais aussi de l'esprit euh, par le développement personnel, et donc elle va Critiquer les gilets jaunes qui vont encore apparaître comme plus, ils ne sont pas sales comme les ploucs, mais là ils sont pollueurs, ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, ils mangent mal, ils mangent de la viande, ils sont obèses, ils fument. Euh, L'hypermodernité va s'attribuer toutes les qualités d'ouverture à l'autre et donc elle va accuser euh, les gilets jaunes d'incarner le repli sur soi, la peur. De la même façon, l'hypermodernité se présente comme le seul porteur de, de progrès social et va donc rejeter sur le Gilet jaune un côté réactionnaire, un vote extrême euh, mal jugé. Et donc, comme vous le voyez, le mécanisme est toujours le même. De la même façon que le plouc avait été cet épouvantail médiatique du, du, des dégoûts de la modernité industrielle, eh bien aujourd'hui, le Gilet jaune incarne tous les dégoûts euh, de l'hypermodernité, c'est-à-dire de cette nouvelle économie de la connaissance, de cette économie numérique, de cette économie métropolitaine.